Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la collection Boussole. En tout cas, merci beaucoup de jouer le jeu, merci d'être nombreux et d'être présents pour cette présentation. On est ravis de vous présenter la collection Boussole et de faire donc ce petit focus quand même un peu plus sur les grands classiques finalement qui sont à disposition dans cette collection. On va du coup pas tarder à commencer. Donc après avoir vu toutes vos belles présentations, je vais quand même prendre le temps moi aussi donc de me présenter. Je suis Violaine, donc community manager chez Belin Éducation. Je m'occupe de tout ce qui est animation via les réseaux sociaux ou les newsletters. Et bien sûr aussi animation via nos webinaires, donc que ce soit des webinaires de présentation de collection comme avec Boussole, de nos nouveautés aussi, peut-être qu'on se recroisera sur d'autres webinaires d'ailleurs qui arrivent en primaire aussi encore ou au collège, et aussi des webinaires plus de conférences avec des experts. Là on est plus du côté des sciences au lycée, on a un petit rendez-vous comme ça, voilà. Et puis je vais laisser du coup peut-être Lorraine aussi se présenter. Oui, bah bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, c'est une bonne nouvelle. Donc moi je suis Lorraine et je suis éditrice au service primaire et jeunesse de Belin Éducation et je suis en charge de plusieurs collections et notamment de la collection Boussole, voilà, que je vais présenter en deux mots. Donc c'est une collection qui existe depuis 2016, une collection de littérature qui a été conçue vraiment pour accompagner les enseignants et les élèves dans l'étude de la littérature en classe. Et c'est une collection qu'on a lancée avec le soutien et l'accompagnement pédagogique, mais pas que, de Isabelle Antonini, que je laisse se présenter rapidement aussi. Isabelle, si tu veux. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Super. Pas trop fort, pas trop bas? Non, c'est bon. Non, c'est ouais. Bon. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle donc Isabelle Antonini. Je suis professeure des écoles depuis 20 ans. Et voilà, ça fait 10 ans aussi que je suis formatrice. D'abord en tant que maître formateur. Puis ensuite, j'ai été directrice d'école d'application pendant 5 années. Et je suis maintenant conseillère pédagogique, enfin conseillère pédagogique de circonscription depuis 3 ans. Voilà, je suis rattachée depuis toujours à l'Académie de Toulouse. Et c'est essentiellement à Toulouse, notre belle ville rose, que je travaille depuis mes débuts. La collaboration avec Belin, oui, elle a commencé en 2016. Voilà, je suis auteure chez Belin, mais je dirige aussi la collection Boussole chez Belin depuis donc cette année 2016. Merci en tout cas à toutes les deux d'être présentes et d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette collection. Je vais peut-être vous laisser du coup commencer la présentation, sachant que voilà, Lorraine et Isabelle vont prendre un temps de présentation et on prendra ensuite un deuxième temps finalement de questions-réponses. Il ne faudra donc pas hésiter à revenir du côté de la conversation pour nous poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre. Si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous recontacter par mail aussi. Vous avez mon mail suite à votre inscription. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et moi, de toute façon, je reviens vers vous à la fin de ce webinaire avec l'enregistrement et aussi les liens qui pourront vous être utiles. Voilà, donc je vous laisse commencer la présentation. Eh bien, merci Violaine. Alors, la collection de Boussole, je vais la représenter rapidement, enfin rapidement, je vais bien la présenter. Je ne sais pas du coup voilà, si vous la connaissez tous déjà ou si vous découvrez, si vous êtes curieux de... Voilà, d'en savoir plus. Alors, donc, c'est une collection, comme je le disais, qui existe depuis 2016, donc qu'on a lancée avec, je n'ai plus le nombre exact, mais je dirais 5 ou 6 premiers titres pour le cycle 3, donc CM1, CM2 principalement, et qu'on a décliné ensuite en 2018 pour le cycle 2. Donc aujourd'hui, on a presque 60 titres qui vont donc du CP au CM2, avec 11 nouveautés à paraître en 2022. Donc voilà, on a une dizaine de nouveautés par an. Là, vous avez un petit aperçu voilà, de toutes ces jolies couvertures
qui vous montre un petit peu aussi la diversité de la collection, parce que donc, c'est une collection de littérature qui initialement vise à faire connaître la littérature classique et patrimoniale, mais aussi la littérature de jeunesse. Donc on a vraiment une grande diversité dans les textes, dans le choix des textes et des œuvres. On va avoir aussi bien vraiment des classiques patrimoniaux comme un petit peu de Maupassant avec Le Papa de Simon, ou des extraits des Misérables avec Cosette de Victor Hugo. On a Peter Pan, on a ensuite des anthologies de poésie, par exemple les 30 poèmes pour célébrer le monde, on a les 30 fables de La Fontaine, voilà. On a des titres jeunesse autour de la mythologie, des petits romans, des petits romans contemporains écrits notamment par Viviane Koenig, qui est une auteure jeunesse contemporaine connue et reconnue pour ses romans historiques et mythologiques. Donc on a toute une petite série notamment autour du personnage d'Ulysse, que vous connaissez peut-être, avec Ulysse et le Cyclope, qui est un de nos best-sellers. Voilà un petit peu, on a un petit peu de théâtre aussi, et puis alors pour le cycle 2, pour les plus jeunes, on va avoir des choses un peu plus jeunesse, des adaptations d'albums comme Les 4 saisons de Lou, La plus grosse des bêtises, qui sont des albums que nous on a trouvé très chouettes et qu'on a voulu vous faire connaître à vous enseignants et à vos élèves. On a aussi des contes patrimoniaux, Hansel et Gretel, Le Chaboté, etc. Bon, je ne vais pas les passer tous en revue parce que 60, ça fait beaucoup. Mais ça vous donne un premier aperçu. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer ? Voilà. Alors, les points forts de la collection. C'est une collection qui s'adresse vraiment à la fois aux élèves et aux enseignants. Donc, on a à chaque fois un livre élève, je ne sais pas si vous voyez, qui est vraiment un petit livre de poche, très facile à prendre en main, avec des jolies illustrations pour accompagner la lecture du texte. À chaque fois, on a des notes de bas de page pour expliciter les termes et les mots compliqués. Chaque texte est suivi d'un petit dossier qui s'adresse vraiment à l'élève avec des éclairages sur les personnages de l'histoire, les thèmes de l'histoire, les lieux de l'histoire, un petit bilan de lecture pour que l'élève puisse faire le point sur sa compréhension du texte, et puis une partie plus qu'on a appelée le coin des curieux où l'élève peut en découvrir un peu plus sur l'auteur, sur le contexte d'écriture du texte. Il y a toujours un petit groupement de textes aussi qui permet d'approfondir un peu le thème de l'histoire. Et puis toujours une page Histoire des arts avec des documents artistiques riches et variés pour prolonger et enrichir la lecture. Donc ça, c'est vraiment pour l'élève. Donc c'est vraiment des petits livres de poche richement illustrés. Et puis pour l'enseignant, on propose un guide pédagogique vraiment clé en main avec à chaque fois une séquence de classe complète où on détaille vraiment toutes les séances une par une avec vraiment le détail du déroulé des séances. Donc ce sont évidemment des propositions qu'ensuite l'enseignant peut adapter, mais en tout cas ça fait une bonne base de travail. Et puis il fait aussi les fiches d'activité pour les élèves, donc les fiches d'activité photocopiables pour lesquelles on propose souvent les corriger. Isabelle, n'hésite pas à intervenir d'ailleurs si tu veux compléter ou dire des choses sur ce que je raconte. On a un catalogue très riche, comme je le disais, puisque donc avec presque 60 titres, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les niveaux, tous les types de travail possibles et imaginables. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les élèves à construire leur culture littéraire et artistique, et surtout à découvrir vraiment le plaisir de lire, le plaisir d'avoir accès à des textes qui font rêver, qui font s'émerveiller, qui permettent de découvrir le monde via la littérature. Dans les autres points forts, donc c'est une collection à petit prix, donc ça pour nous c'est vraiment important de donner accès à la littérature aussi en proposant des livres accessibles. Donc comme vous pouvez le voir, les titres se vont de 3,90€ à 5€, donc c'est un peu ça permet aussi d'équiper sa classe sans se ruiner. Et donc nos trois meilleures ventes, si ça vous intéresse, c'est Ulysse et le Cyclope, Peter Pan et Le Tour du Monde en 80 jours. Voilà pour une rapide présentation de la collection. On répondra aussi à vos questions après si vous en avez d'autres. J'essaie d'être un peu synthétique pour laisser Isabelle parler ensuite. On a décidé dans ce webinaire de se concentrer sur les classiques de la littérature parce que on a constaté que c'était quelque chose qui revenait pas mal dans les demandes des enseignants et puis dans les demandes en général de conseils de lecture. Les classiques, c'est pas pour rien que c'est des classiques, c'est qu'ils ont traversé le temps et ils continuent de plaire et sauf que c'est vrai que pour beaucoup les classiques sont parfois un peu longs, un peu difficiles d'accès. Donc ce qu'on propose dans la collection Boussole, alors pour certains titres qui excède un petit peu le calibrage d'un livre de poche
pour des élèves de cycle 2 ou cycle 3, on propose des adaptations de classiques. On essaie voilà, de rester très, très fidèle au texte de l'auteur, mais on fait voilà, un travail d'adaptation pour réduire le texte et le mettre vraiment à la portée des élèves. On a une dizaine de classiques, du coup. Donc là, j'ai mis quelques couvertures qui peuvent vous donner une idée de ce qu'on a comme titre adapté. On a Tom Sawyer, on a deux Jules Verne avec Le Tour du Monde à 80 jours et 20 000 lieues sous les mers. On a fait une adaptation de Sans Famille. On a également des extraits des Misérables, donc avec le recueil Cosette. Et cette année, on vient de sortir Gavroche, donc, voilà, les deux enfants des Misérables. Voilà, et donc ça répond vraiment, selon nous, aux recommandations des programmes qui demandent d'aider vraiment les élèves à s'approprier les textes littéraires et surtout à lire des œuvres de plus en plus longues et complexes, notamment en cycle 3. Isabelle, je ne sais pas si tu veux compléter tout ça. On va vous faire un petit focus. Alors, je laisse Isabelle peut-être présenter rapidement. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que donc, chaque titre répond vraiment à ces grandes thématiques de la partie culture littéraire et artistique des programmes qu'on vous a remis ici. Et puis certains titres évidemment sont directement issus de la liste de référence du ministère pour les œuvres de cycle 3. Okay. Isabelle, si tu veux, voilà, si tu veux. Oui, c'est une bonne transition, de passer la main au professeur sur cette partie-là. Donc je pense que c'est une diapositive que vous devez reconnaître, puisque elle est extraite des programmes. Et en fait, c'est ce qui a guidé au départ. La constitution de la collection Boussole. L'idée de départ, c'était de prendre appui sur les programmes et notamment sur les 6 entrées thématiques, donc héros, héroïne, la morale en question, se confronter au merveilleux, vivre des aventures, imaginer, dire et célébrer le monde, et le dernier, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. Donc, si vous voulez, en croisant ces entrées et aussi en prenant appui sur la liste de référence du ministère, on a déjà des pistes, nous, pour pouvoir vous proposer des titres, notamment sur les titres patrimoniaux. Donc, l'idée de Boussole, c'était aussi au départ l'idée de faire gagner du temps aux enseignants. Donc, du temps en amont de la classe, du temps de préparation. Donc, dans ce sens, en fait, Boussole, déjà, vous y aide en fait en vous sélectionnant pour vous déjà des œuvres, des premières œuvres. Ensuite, le deuxième niveau, on va dire que dans les guides pédagogiques, il y a une analyse. Donc il y a le choix des œuvres. C'est la première façon, finalement, un peu déjà de vous aider, de vous aiguiller. La deuxième, c'est l'analyse, en fait, des œuvres qui est présentée surtout dans le guide pédagogique, qui est en amont du guide pédagogique, en amont de la séquence. Et aussi, donc, à chaque titre boussole est adossée une séquence pédagogique sous fiche de prep, clé en main, en fait, qui est très détaillé, vraiment pas à pas, avec de quoi exploiter, c'est pas un joli mot, mais de quoi mettre en œuvre, en fait, la séquence en classe, avec une partie lecture-compréhension, mais il y a toujours aussi un projet d'écriture, toujours, Lorraine l'a dit, on y reviendra, des textes qui sont mis en résonance avec l'œuvre lue, et également une partie histoire des arts. Et après, selon les œuvres, il peut y avoir aussi un petit aspect EMC ou un aspect plus en histoire ou en sciences. Ça va vraiment dépendre du matériel et donc du titre retenu. Donc, pour être un peu plus explicite et rentrer un peu plus dans les détails, on va faire aujourd'hui un focus en fait sur trois grands classiques, puisque Lorraine vous l'a dit, ça fait partie quand même, il y a pas mal de titres dans notre collection qui relèvent des classiques adaptés. Donc aujourd'hui, on va vous parler de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, de Peter Pan, de James Matthew Barrie, et de Cosette d'après Victor Hugo. L'île au trésor. Donc L'île au trésor, c'est un classique de la littérature enfantine du 19e siècle. Et Stevenson est vraiment considéré comme un des grands maîtres du genre. Donc, on retrouve en fait dans ce titre toutes les caractéristiques du roman d'aventure, une narration qui est faite par le héros lui-même, des personnages emblématiques, une dynamique de récit avec des actions multiples, périlleuses, fabuleuses, le dépaysement géographique et une histoire aux fonctions divertissantes et pédagogiques.
Le récit de L'île au trésor suit un schéma narratif assez classique avec, et qui part en fait du bouleversement de la vie du personnage principal vers sa transformation au courageux avec, lors d'une quête en fait qui est périlleuse. Dans L'île au trésor, c'est la découverte d'une carte au trésor qui va faire basculer en fait la vie du jeune Jim Hawkins, qui va partir à la recherche exaltante, mais non moins dangereuse, d'un butin, et qui est également convoité voilà, par une bande de pirates sanguinaires. Donc Jim, le jeune Jim, se retrouve voilà, à bord d'un voilier à destination des Caraïbes. Et le roman d'aventure devient aussi alors à ce moment-là un roman d'initiation, puisque le héros va grandir en même temps que l'aventure qu'il vit, et celle-ci faisant appel à ses compétences personnelles qu'il va devoir développer au fur et à mesure des péripéties. Alors, pourquoi on a choisi cette œuvre? Alors, c'était plutôt, je crois, détaillé sur la diapositive d'avant, mais ce n'est pas très grave. Voilà, on l'a choisi aussi en référence, voilà, vous voyez tout la partie du bas, là, en référence au programme. Donc, elle s'adosse à l'en-tête Vivre des aventures, dont les objectifs, voilà, sont les suivants. Hein. L'idée, c'est bien de découvrir un roman d'aventure dont le héros principal est proche des enfants, afin que les enfants puissent plus facilement s'identifier et rentrer dans la lecture. Ensuite, l'idée, c'est bien de comprendre la dynamique du récit, des personnages et des relations qui les nouent, et de s'interroger aussi sur les modalités du suspense et d'imaginer les possibles narratifs qu'il y a derrière. Puis, désolée, j'ai un petit peu de mal avec le souffle. Voilà, j'ai été récemment malade, on va dire. Donc, la séquence pédagogique qui est développée dans le guide pédagogique a été faite par une professeure des écoles de cycle 3 qui s'appelle Olinka Pavlovic. Et donc voilà, sa séquence, elle aide bien sûr à comprendre cet ouvrage classique, mais tout en enrichissant aussi la culture littéraire des élèves et leur culture artistique. Donc, bien évidemment, il y a une part importante voilà, hein, qui est consacrée à la lecture en classe, ou par les élèves ou par le professeur. Et on vous propose des travaux de compréhension divers voilà, et variés. Parmi tous les travaux de compréhension en lien avec cette œuvre, on vous propose un travail autour du personnage du pirate, mais aussi de l'activité que vous avez ici, là, à l'écran, qui est une activité de dessin de cartes à partir d'un extrait lu. J'y reviendrai plus tard, mais bon, l'idée, c'est bien de ne pas proposer, si vous voulez, en termes de compréhension, que des questionnaires sous forme de questions auxquelles les élèves doivent répondre par des phrases complètes. Voilà, on a envie de travailler différemment et on fait des propositions différentes pour travailler la compréhension. Donc, dans le guide pédagogique, Olinka vous propose aussi une situation d'écriture. Donc là, il s'agit de rédiger la lettre que Jim pourrait écrire à sa mère. Donc, il y a des lectures complémentaires qui sont proposées avec boussole. Et pour L'île au trésor, on a choisi pour thématique de ces textes « Vivre des aventures en mer ». Donc, dans tous les boussoles, vous aurez toujours un groupement. Je ne sais pas si au feuilletage tout à l'heure… Bon, ce n'est pas très visible non plus. C'est peut-être pour ça que Lorraine ne vous l'a pas montré. Donc, c'est en fin de boussole, on a toujours un petit dossier pédagogique où il y a plusieurs textes voilà, reliés autour d'une thématique. Donc, ici, donc, vivre des aventures en mer. Et donc, on a choisi les extraits suivants. Voilà, là, c'est un extrait voilà, que Lorraine vous montre. Donc, on a choisi un extrait du royaume de Kensuke, un extrait de Moby Dick, un extrait du feuilleton d'Ulysse et un extrait de Peter Pan. Il y a aussi dans la séquence pédagogique, une séance autour des arts et notamment de la figure du pirate dans les arts. Donc là, vous voyez qu'il y a des œuvres variées. Hein. Il y a souvent des dessins, des tableaux, ça peut être des affiches de films. Il peut y avoir aussi des statues selon les œuvres qu'on aura retenues. Donc voilà, là, cette fois-ci, on a choisi donc, de rester sur la thématique du pirate. Et toutes les ressources voilà, qu'on vous présente là, actuellement, sont présentées toutes et détaillées dans le guide pédagogique qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur le site de Belin. On y reviendra plus tard en vous montrant exactement où et comment les trouver. Je vais passer au texte suivant. Donc, l'œuvre suivante, c'est aussi un roman d'aventure. C'est celui de James Matthew Barrie, c'est Peter Pan. Donc, que sûrement vous connaissez peut-être mieux. Voilà. En tout cas, les enfants, en général, le connaissent davantage
sûrement en partie grâce ou à cause, on va dire, du dessin animé. Donc, ce roman raconte les aventures de Wendy et de ses frères qui menaient une existence bien paisible jusqu'au jour où Peter Pan fait irruption dans leur chambre et les emmène au pays du jamais. Voilà. Alors, dans le texte, on va trouver, c'est ainsi que se nomme ce que les enfants appellent d'habitude l'île imaginaire, quoi, une traduction littérale de Neverland. Donc, sur cette île, c'est sur cette île merveilleuse que les enfants vont vivre des aventures incroyables et notamment affronter le terrible Capitaine Crochet. Donc, pourquoi on l'a choisi, ce texte-là? Parce qu'il est emblématique, hein, et il rentre bien dans la catégorie aussi vivre des aventures. Et comme avantage, on va dire, il est plus court à lire que celui de l'île au trésor. Voilà. On va dire que si vous voulez tenter la lecture d'un roman entier, pour le premier, peut-être que c'est plus facile de commencer par celui-ci, puisqu'il n'a que 7 chapitres. Voilà. Donc, comme pour l'île au trésor, il y a de nombreux travaux de compréhension qui ne se traduisent pas, donc, comme je vous le disais, systématiquement par des questions, mais pour lesquels on va proposer des formes diverses tout en travaillant la compréhension tout de même. Donc, ça peut être des QCM ou des remises en ordre chronologique. Ça peut être aussi des activités autour du résumé ou des activités autour du fait de légender des images, ce qui permet, par exemple, de travailler sur le lexique. Il y a également des travaux pour cette séquence qui sont conduits autour des personnages principaux. Donc là, vous voyez, hein, c'est une activité de compréhension pour laquelle on va passer par le dessin, quoi. On lit un passage précis, on passe par le dessin pour voir ce que les enfants ont retenu. Et là, c'est un tout petit extrait de la fiche pédagogique. Donc, il y a d'autres, voilà, propositions qui sont faites autour du travail de portrait, en fait, le fait de dresser le portrait des personnages principaux que sont Peter Pan et James Crochet. Et c'est un travail qui est un peu filé, c'est le fil rouge, en fait. Au fur et à mesure qu'on lit, en fait, cet album, on prélève des informations sur des affiches, hein, sous forme de liste ouverte. Et à la fin, on demande aux enfants de dresser l'un des deux portraits. Et Peter Pan, on propose également dans Peter Pan de se questionner sur la figure du héros. Est-ce que Peter est un héros? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et pourquoi? Donc, dans le guide pédagogique, je vous propose aussi une situation d'écriture. Et pour une fois, il s'agit d'un écrit descriptif. Donc, on demande aux élèves de décrire leur imaginaire. Et ensuite, il y a également des lectures complémentaires qui, cette fois-ci, sont regroupées autour de la thématique « Grandir dans la littérature ». Donc, on va retrouver un extrait du royaume de Kensuke, mais qui ne sera pas le même. Un extrait du livre de la jungle évoquant Mowgli, de Rudyard Kipling. Un extrait de Pinocchio, de Carlo Collodi. Et un extrait d'un album littérature jeunesse contemporain, Dans les yeux d'Henriette, de Virginie Germain, qui évoque plutôt l'intergénérationnalité, voilà, on va dire, les liens qui peuvent s'unir entre un enfant et une vieille personne. Henriette, il est très, très beau, très poétique, cet album. Voilà, c'est une vieille personne en fin de vie. Il y a aussi la transmission. C'est très poétique. Voilà. Donc, voilà, tous ces extraits-là, finalement, sont reliés autour de cette thématique de grandir dans la littérature et un travail spécifique, voilà, qui est proposé dans le guide pédagogique. Il y a aussi une séance pour Peter Pan autour des arts, donc c'est la figure de Peter dans les arts. Donc là, vous voyez qu'on a pris une illustration qui date de 1931, une première affiche de film de Walt Disney, un film plus moderne et une adaptation théâtrale. Donc on voit que les œuvres aussi sont variées et les époques aussi, même si peut-être moins bien sûr qu'Ulysse, puisque là, on n'est pas sur la même frise chronologique, mais ça permet quand même aussi aux enfants de voir que Peter Pan, ils le connaissent, mais leurs parents le connaissaient, les grands-parents aussi. Voilà, c'est une figure qui commence déjà à traverser le temps. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de Cosette, la dernière œuvre, excusez-moi. C'est une petite fille orpheline, voilà, qui est recueillie par un couple cruel, hein, les Thénardier. Et dans cette auberge, dans l'auberge des Thénardier, Cosette est obligée de travailler jour et nuit, sous les coups et sous les insultes. Le soir de Noël, hein, Madame Thénardier lui demande en plus d'aller chercher de l'eau en dehors de la ville, hein,
Elle est toute petite, c'est très très lourd, c'est loin, il fait froid, il fait noir, elle tremble de peur, mais elle y va quand même. Et c'est aussi à ce moment-là que Cosette va faire la rencontre qui va changer sa vie. Donc l'histoire de Cosette est racontée dans le roman de Les Misérables de Victor Hugo. C'est un roman qui a été donc écrit en 1862. Et en fait, il s'agit de la deuxième partie de l'œuvre qui est consacrée à l'enfance de Cosette. L'auteur développe les grands thèmes de son œuvre hein, dans cette partie-là, la misère, la rédemption et l'amour. Et les personnages qu'on croise dans Cosette et dans Les Misérables sont vraiment des misérables au sens où ils sont démunis, privés de ressources matérielles aussi bien qu'intellectuelles parfois. Et ce sont des personnages qui nous inspirent des sentiments ambivalents. À la fois la pitié, le mépris, mais aussi parfois l'admiration. Donc en dressant ce tableau de la misère, Victor Hugo a voulu éveiller, chercher en tout cas à éveiller les consciences. Il était le porte-parole de ceux qu'on foulait aux pieds et il voulait nous transmettre sa foi inébranlable pour l'éducation et pour le progrès social. Alors c'est un texte, c'est une adaptation, oui, mais c'est un texte, c'est le texte de Victor Hugo en fait. Si vous voulez, on a pris des morceaux, voilà, qu'on a, qui sont tous les morceaux qui sont relatifs à Cosette pour en traduire l'histoire de Cosette, mais on n'a pas retouché le texte. Donc c'est vrai que c'est un texte de par sa syntaxe et de par son lexique qui sont pas évidents au premier abord. Mais par contre, parce que je connais des personnes hein, qui l'ont mis en œuvre en classe, cette séquence, et qui ont lu ce texte. Par contre, de par l'émotion, en fait, si vous voulez, qui est suscitée par le fait de s'identifier au personnage, voilà, ben, les élèves arrivent à passer outre en fait, les difficultés de lexique et de syntaxe. Et par contre, il est évident aussi que les lectures magistrales de l'enseignante hein, et les ou de l'enseignant ou les reformulations vont être indispensables pour parvenir à une bonne compréhension du texte écrit, de ce récit. Donc, pourquoi cette œuvre, voilà, vous l'avez en bas de diapo, c'est en référence au programme, cette séquence d'apprentissage est associée à l'entrée « Se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres ». Et les finalités de cette séquence sont les suivantes. Donc, découvrir un récit d'apprentissage qui met en scène un enfant confronté à un milieu hostile, comprendre la part de vérité historique de cette fiction et s'interroger sur le rôle de l'éducation et des éducateurs dans les apprentissages et dans l'émancipation aux jeunes. Donc, ce texte est porteur de valeurs éthiques et morales qui peuvent contribuer à la formation de l'élève dans son rapport à soi, aux autres et au monde. Le rôle de l'enseignant, ça va être de permettre à chaque enfant de s'approprier progressivement ce texte qui est riche, mais parfois complexe, afin qu'il puisse le comprendre et l'interpréter. Donc, le guide pédagogique propose des activités diverses autour du texte, à la fois en passant par exemple par la lecture dialoguée, par la mise en scène, par la mise en parallèle avec d'autres textes, comme La petite marchande d'allumettes d'Andersen, mais aussi une mise en parallèle avec un texte plus contemporain de Tahar Ben Jelloun, L'école perdue, que vous connaissez peut-être. La séquence permet aussi de travailler l'identification des procédés utilisés par Hugo pour amplifier le suspense, mais ça permet aussi cette séquence de travailler, d'avoir une pratique de débat interprétatif. Voilà, et là, je ne voulais pas préciser en introduction, mais la séquence a été écrite par Annie Chourot, qui est une de mes collègues maîtresses formatrices de cycle 3, qui a une grande expérience du cycle 3 et de l'enseignement de l'oral. Donc, ça peut, voilà, si vous vous lancez dans la séquence, vous verrez, ça peut être intéressant. Possiblement, vous apprendrez des choses sur l'enseignement de l'oral et le débat interprétatif. Donc, faire découvrir cette œuvre aux élèves, hein, c'est aussi l'occasion d'évoquer avec eux le contexte social et historique. Hein. C'est également pour les élèves à la possibilité de s'identifier à cette héroïne en partageant les émotions propres à l'enfance. La joie, le rêve, la peur, le besoin de protection et d'amour paternel. Une activité de rédaction est proposée dans le guide. Il s'agit d'écrire un récit en changeant de narrateur. Donc cette fois-ci, c'est Cosette
qui va raconter une partie de l'histoire de son point de vue en exprimant son sentiment sur la situation qu'elle a vécue. La séquence va être également l'occasion de travailler, hein, vous l'avez vu sur la diapositive précédente aussi, de travailler et de débattre sur les droits des enfants, hier et aujourd'hui, ici et ailleurs, hier, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, ici et ailleurs, en insistant sur l'importance de l'éducation chère à Victor Hugo. Et enfin, grâce aux œuvres présentées dans la partie histoire des arts, les enfants vont pouvoir découvrir différents regards sur cette héroïne, regards qui viendront questionner leur propre représentation. Donc là aussi, un film, une pièce de théâtre, une gravure, une sculpture. Pour cette séquence, comme pour les autres séquences en fait, de la collection Boussole, en toute fin d'ouvrage, on vous propose une partie prolongement pour ceux ou celles qui ont envie de faire d'autres ponts avec d'autres matières ou de faire rayonner encore l'œuvre différemment. En général, une séquence Boussole, c'est déjà entre, je dirais, 11 et 15 séances environ. Voilà, en comptant les arts plastiques, la rédaction, pardon. Voilà. Mais vous pouvez, si vous voulez, encore prolonger, on va dire, le plaisir ou sur l'œuvre ou basculer sur un projet, on va dire, en lien, mais complémentaire. Donc, par exemple, là, pour Cosette, on vous propose des travaux autour du lexique, des arts plastiques ou encore des propositions de lecture, mais aussi des propositions de prolongement en histoire avec le numérique ou en EMC. Vous voyez qu'en sur le lexique, par exemple, on peut très bien utiliser l'œuvre Cosette pour travailler sur un champ lexical, celui de la peur ou celui de l'enfance, par exemple. En rédaction, on peut aussi proposer aux enfants de rédiger la lettre que Fantine aurait pu écrire à Cosette juste avant de mourir. En EMC, vous pouvez aussi profiter de réaliser des exposés avec les élèves sur les conditions des enfants, les droits des enfants, le travail des enfants hier et aujourd'hui. Voilà, je vous laisse regarder les autres possibilités. Voilà, moi j'arrive à la fin de ma présentation. Et sur la toute dernière diapo, voilà, on va vous montrer comment et où vous pouvez récupérer les guides pédagogiques et les autres ressources qui sont mises gratuitement à votre disposition. Donc, en fait, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste d'aller sur Belin Éducation et de vous créer un compte. Et une fois que vous êtes identifié, vous allez dans la collection Boussole où vous rentrez le titre de l'œuvre qui vous intéresse et vous allez voir afficher, là, comme c'est indiqué à l'écran au niveau de la flèche, toutes les ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, le plus souvent, il y a toujours la couverture, la première de couverture de l'album, voilà, qu'on utilise fréquemment en première séance, même si c'est pas systématique, voilà. Ou pour décorer la classe aussi, hein, des fins décoratives. Vous avez toujours aussi le guide pédagogique qui est un document donc PDF hein, qui est en général, il y a autour de, je dirais, 70 ou 80 pages. Donc, vous voyez à quel point voilà, c'est détaillé, c'est vraiment clé en main. Et il y a aussi en général des affiches complémentaires. Voilà, de certains des illustrations du récit qui voilà, sont là aussi ou pour travailler sur un extrait particulier ou bien pour à des fins peuvent être utilisés à des fins décoratives pour votre classe ou pour la BCD ou le CDI du collège. Vous voilà. En voyez quelques-unes derrière moi, je ne sais pas si vous voyez affichées au mur. Oui, moi j'en ai aussi au bureau, mais là je ne suis pas au bureau. Ça fait toujours bien dans les classes. Dans la chambre ou dans le bureau, j'en ai aussi. Donc voilà, la parole maintenant est à vous. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques premières questions. Et n'hésitez pas, voilà, on est là à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions ou vous conseiller. Merci beaucoup Isabelle et Lorraine pour cette riche présentation. Et oui, du coup, n'hésitez pas. Donc, on se retrouve à nouveau du côté de l'outil discussion-conversation si vous avez la moindre question à nous poser.
Oui, comme tu dis, on avait déjà peut-être quelques questions, notamment une sur à quand un titre Boussole Cycle 3 de théâtre. Alors, on en a Alors, déjà. cycle 3 théâtre? Oui, on a Sol dans ma peau d'âne. Oui, c'est vrai. Et alors, ce n'est pas du théâtre classique, mais ça a l'avantage d'être une réécriture du conte de peau d'âne, qui permet du coup de peut-être de faire un travail voilà, de comparaison entre le conte et la réécriture, mais qui peut se lire évidemment en autonomie sans forcément étudier le conte très, très en détail. Donc voilà, c'est une pièce contemporaine qui doit dater de 2000. 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, écrite par Estelle Savasta, qui est une metteur en scène contemporaine. C'est vraiment un très très beau texte, Isabelle, je pense que tu confirmes. Enfin, nous, on a vraiment eu un coup de cœur. Il est sur la liste de référence du ministère, donc c'est qu'a priori, voilà, il est cautionné en tout cas. Mais c'est vrai qu'en théâtre, je crois que c'est le seul titre qu'on a pour l'instant. Voilà, bon, Isabelle, tu en sauras sûrement plus que moi, mais sur les pratiques de. Voilà, l'étude du théâtre en cycle 3, faut pas hésiter si vous avez des recommandations d'œuvres. Voilà, en théâtre classique, c'est toujours un peu plus compliqué que. Oui, mais je ne sais pas, Valérie nous parle de théâtre classique, mais Oui. c'est vrai que ce n'est pas si classique que ça d'étudier des pièces classiques en cycle 3. Est-ce que vous avez des idées précises, Valérie? Sinon, en tout cas, on nous demande aussi côté cycle 2 au théâtre pour du CE1, CE2, ce Alors, qu'on du aurait. théâtre, il y a Bousy-Bourru, Oui. rien à voir avec Seul dans ma peau d'âne. Hein, voilà. Bousy-Bourru, c'est plus un théâtre pour faire rigoler, on va dire, hein, avec un monstre, une légende de monstre qui habiterait dans une caverne et des enfants. C'est un texte d'Anne Rocard, assez sympathique. Bousy-Bourru, je pense que si votre CE1 est très très fort, en fin de CE1, ça peut se tenter. Moi, je l'avais fait avec eux, mais plutôt en lecture. Avec les meilleurs lecteurs, on avait partagé, on va dire, et ça s'est fait. Sinon, oui, fin CE1 ou CE2, ça peut être parfait. CM1, je pense que vous pouvez basculer sur Seul dans ma peau d'âne, mais par contre, voilà, faut être sûr qu'ils aient vu avant le peau d'âne de Perrault, quoi, pour comprendre les références. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de théâtre, c'est vrai. Oui, on C'est pas note. forcément, c'est que on peut pas non plus publier ce qu'on veut, voilà, quand on est éditeur, et voilà, ou on s'appuie sur des textes patrimoniaux, ou alors il faut des auteurs qui écrivent pour la collection, ou des cessations de droits, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut et on peut pas prendre n'importe quel texte qu'on aimerait travailler. Oui, alors Valérie nous dit Molière peut-être. Oui, c'est sûr que ce sont des textes dans le domaine, donc ça ne devrait pas Ben, Scapin, c'est poser problème, mais peut-être un c'est des vrai plus que. faciles. Hein. Oui. Les fourberies de Scapin, c'est ça. On avait aussi une question de Nathalie qui aura un double niveau l'année prochaine, CE2, CM1, et demandait si on avait des titres mieux adaptés pour un double niveau tel que celui-ci. Il y a le papa de Simon qui est très bien, je dirais, pour un CE2, CM1, parce que justement, dans la liste du ministère, il est stipulé en cycle 2. Nous, on l'a sorti en cycle 3. Voilà, c'est un texte peu connu de Maupassant. Mais pour un CE2, CM1, ça me paraît bien. Ce n'est pas très très long. Le thème, c'est une maman qui élève seule son fils. Sauf qu'évidemment, c'est très très mal vu dans le village. Avec un homme qui commence à courtiser la maman. Et je ne vais pas tout vous raconter. Voilà. Mais c'est une belle histoire. Voilà. Là aussi, sur s'affirmer dans le rapport aux autres. Après, je ne sais pas, dites-moi si c'est plutôt un roman que vous cherchiez. Parce que la poésie peut être très bien aussi. Hein. Les 30 poèmes pour célébrer le monde. Là, je peux vous en parler aussi, puisque le guide pédagogique, c'est moi qui l'ai fait. Alors, il est énorme. Il fait 30, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 séances. Mais voilà, c'est plus. Il y a quatre parties, si vous voulez, dans le recueil de poèmes. Et c'est un peu le même esprit. Il y a quatre mini-séquences dans le guide pédagogique. Donc, vous pouvez très bien voilà, mettre chaque année du cycle, on va dire, où vous pouvez mettre en œuvre une seule mini-séquence. Donc, ça peut être tout à fait se faire un CE2, CM1.
Justement, Christelle nous écrivait que le recueil de poésie est un plaisir à lire. C'est Voilà. gentil, merci. On avait travaillé dessus pour voilà, sélectionner des œuvres variées, mais avec une belle résonance pour les enfants. Ouais. Et Valérie, du coup, nous écrit aussi bravo pour la sortie de la BD. Donc, on peut peut-être justement prendre un petit moment pour parler justement de cette grande nouveauté quand même dans la collection Boussole qui est la BD Marsupilami. Oui, ben Oui, oui, on c'est est la content nouveauté là. là. Tu commences ou je commence, Lorraine? Vas-y, vas-y, vas-y. Ton Bon, ben enthousiasme compte. quand on a su qu'on pourrait faire une BD Marsupilami, enfin Spirou, hein, parce qu'au départ c'est une aventure de Spirou et Fantasio, ben, c'est sûr que moi j'ai été hyper contente parce que c'est j'ai toujours été fan hein, en fait, des BD de Spirou. Et bon, et celui-là, c'est vrai que. Il plaît particulièrement aux enfants parce qu'il y a le Marsupilami, parce qu'il y a de l'aventure, parce qu'il est coloré, exotique. Donc oui, ça a été une super nouvelle. Et c'est moi qui me suis chargée de faire le guide, pardon, le livre pour les élèves avec les compléments pédagogiques. Par contre, pour la séquence, là, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est Madame Delphine Strauss qui s'occupe de déployer cette séquence, enfin, d'écrire le guide pédagogique. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a prévu de faire. Par contre, je peux vous dire que c'est une enseignante voilà, de terrain qui connaît bien le niveau CM1, CM2, dans lequel elle travaille depuis longtemps, et qui a fait des propositions vraiment très pertinentes, justement, pour Seul dans ma peau d'âne ou Le vaillant soldat de plomb, par exemple. Il y en a eu d'autres. Je ne sais pas si Lorraine, tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, bah le guide pédagogique sera bientôt disponible et effectivement, c'est très riche ce qu'elle propose comme travail autour de la BD, des autres œuvres de Spirou et Fantasio. C'est un travail croisé avec l'œuvre de Franquin. Donc, ça va être chouette. Super. On avait aussi la question si on proposait des rallyes lectures sur l'ensemble des œuvres ou par thématique. Et justement, oui, il me semble qu'on propose bien des rallyes lectures. Je sais Oui, pas il y si a un Lorraine. rallye lecture. C'est toi qui en parles, Oui. Lorraine, du rallye lecture? Oui, bah en deux mots, on a effectivement un rallye lecture qui existe depuis 2, 3 ans. Donc là, c'est pareil, on propose clé en main tout un pack pédagogique pour ensuite, voilà, encore une fois, la liberté de l'enseignant de mettre ça en œuvre comme il veut en classe. Mais voilà, on propose un fichier d'accompagnement pédagogique pour l'enseignant, des quiz, une affiche pour la classe, des étiquettes à coller pour faire un palmarès des œuvres préférées. Et surtout, il y a un concours d'écriture associé à ce rallye lecture. Pour vraiment répondre voilà, aux demandes des programmes. Les programmes insistent beaucoup sur le fait que la lecture et l'écriture vont ensemble, que c'est vraiment articulé. Donc, on a fait le choix Cycle de 3. proposer un concours d'écriture. Comment? Il y a quelqu'un qui demande quel niveau c'est cycle 3, le rallye Oui, c'est lecture. cycle 3. Et donc, en fait, ce pack pédagogique, pardon, le rallye lecture concerne 16 œuvres du catalogue. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas déployé sur d'autres œuvres, mais ces 16 œuvres vraiment sélectionnées soigneusement avec des titres qui répondent encore une fois aux thématiques des programmes. Donc ça permet de faire un rallye lecture et en même temps voilà, d'être vraiment dans la De littérature, balayer, voilà, c'est pas voilà, sur de une balayer. thématique particulière, c'est par exemple, c'est pas un Ouais. rallye lecture vivre des aventures, c'est plus transversal. C'est ça. Alors je pourrais vous envoyer le lien peut-être dans le chat, je ne sais pas si je vais réussir à faire ça, mais. Je vais arrêter le partage. Hop. Oui, bien sûr, Voilà. sinon je le donnerai dans le mail que j'écris encore à la suite du webinaire, Lorraine. Mais oui, sinon dans le chat, très bien. Je vois qu'il y a une question sur les tapuscrits. Alors non, on ne propose pas de tapuscrits. Par contre, il y a des versions numériques des livres à la vente. Je vous mets dans le chat. Je ne peux pas mettre de message, moi, Violaine. Si, C'est bon? normalement, si, tu peux Dans le venir chat? dans le chat et tu le mets à Ah, c'est dans le tous les chat. conférenciers et les participants. Hop là. Voilà, je viens de mettre le lien. Ah non, c'est à tous les conférenciers, du coup, Oui, c'est bon. voilà. Il faut mettre les Ok. participants avec et après, c'est bon. Et le lien arrive, du coup. C'est super. Voilà. Bon, Voilà. il y a toutes les infos sur le rallye lecture et puis la sélection des 16 heures. Voilà. Est-ce que pour Nathalie Jean, il y a assez on a assez répondu à votre question ou vous avez besoin d'autres propositions pour votre CE2-CM1?
On avait aussi la remarque qu'on prendra bien sûr en compte de paginer le guide pédagogique des œuvres. On nous dit aussi. J'ai pas compris. Si on pouvait paginer le guide pédagogique des œuvres. Je ne sais pas si du coup ce n'est pas fait ou si finalement c'est peut-être. Normalement, c'est fait. Bon, bah alors ça doit Le être. guide C'est une erreur. pédagogique, il n'est pas paginé. Ah voilà. Bah si, c'est-à-dire il y a les numéros de page, c'est ça que tu... Oui, tu as raison. Si, il y a les numéros de page, alors peut-être que sur les Robinson, si c'est celui-là dont vous parlez, peut-être que ça n'a pas été fait. Bon, alors du coup, normalement, Annie, il n'y a pas de N'hésitez souci. pas à nous écrire. il est censé être paginé, sinon, voilà, faites remonter l'information, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on nous dit que sur Cosette, c'est paginé en tout cas. Je pense qu'on essaye de le paginer. Donc normalement, c'est que c'est un petit souci. Alors, la version numérique, Joanna pose une question sur la version numérique, comment l'acquérir? Vous parlez de la version numérique du livre de l'élève ou du guide pédagogique? Donc les guides pédagogiques donc, sont disponibles gratuitement en ligne, comme l'a dit Isabelle. Donc voilà, enfin, c'est assez simple. Normalement, sur le site Belin Éducation, vous allez sur la page Boussole et ensuite, sur chaque page les pages de chaque titre, vous avez les PDF qui sont disponibles. Il faut juste s'identifier avec son compte enseignant, mais je crois que c'est relativement rapide et facile à faire. Et si vous parlez des versions numériques des œuvres, on a, alors j'ai plus le petit nombre exact, je dirais 37 comme ça, ou 35, 35 titres sur les 60 qui sont disponibles en version numérique, en EPUB et en PDF, et que vous pouvez acquérir assez facilement aussi sur les sites des librairies en ligne. Par exemple, je pense que ça doit être sur la Fnac, Amazon, je ne suis pas sûre parce que je pense que ce n'est pas un format qui est pris en compte. Deux sites, je dirais. Voilà, faut pas hésiter, je pense, à faire une petite recherche dans Google pour trouver les sites qui le proposent, mais normalement, c'est disponible assez facilement et voilà, c'est un achat d'EPUB classique. Je vois aussi qu'Annie Robin nous a félicité pour les Robinson de l'île de Oui. Tromelin. Alors, c'est vrai que là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire assez merveilleuse, une histoire vraie, triste aussi. Hein. Voilà, d'esclaves qui ont été abandonnés sur une île et qui sont livrés à eux-mêmes. Hein. Une histoire magnifique. Vraiment, c'est très touchant là, pour des CM1, CM2 de travailler sur cette thématique. Hein. Voilà, et de savoir qu'en plus, ce n'est pas que romancé. J'ai vu passer une question sur Si vous avez d'autres propositions Pardon. en tête pour Ah oui, sur varier les genres. est-ce qu'il y a un moyen de trier les œuvres en fonction des thèmes des programmes? Alors, c'est vrai que sur le site, non, c'est vrai que c'est pas référencé comme ça. Je note que c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que, effectivement, vous avez à chaque fois en quatrième de couverture des livres, on vous indique la thématique, donc là, en l'occurrence, vivre des aventures. Mais c'est vrai que sur le site internet, par exemple, c'est pas. Peut-être juste une petite La grille avec thématique l'ensemble de la est collection. indiquée, mais vous n'avez pas Lorraine, forcément est-ce que tu arriverais à remettre, s'il te plaît, le la PowerPoint. slide avec toute la collection? Je suis en train Alors, pour les de. réductions sur le prix d'achat des livres, il y a effectivement une offre d'équipement qui est disponible aussi sur le site. C'est un bon de commande à renvoyer où on propose pour 9 titres d'un même, enfin 9 exemplaires d'un même titre achetés, le 10e est offert. Voilà, donc si vous avez 30 élèves, vous pouvez acheter 3 fois 9, 27 titres et vous en aurez 3 gratuits, normalement. Alors les versions pour les dyslexiques, ça c'est une demande qu'on a de plus en plus, qu'on ne fait pas encore en boussole. C'est vrai que je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse parce que vous n'êtes pas les premiers à nous les demander. On a régulièrement des demandes et j'avais vu une demande aussi sur les tapuscrits. J'imagine que c'est pour le même usage. Violaine, oui, tu avais vu passer aussi une autre demande. voilà, ça revient régulièrement. On est conscient que c'est ben voilà, c'est une demande qui n'est pas anodine parce que je ne sais plus le pourcentage exact d'élèves dyslexiques, mais je crois que c'est facilement, enfin, il y a facilement voilà, au moins 1 ou 2 élèves par classe concernés par ce trouble. On a chez Belin une collection Colibri pour les enfants dyslexiques, qui est une collection de littérature jeunesse, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, pour ce qui est de boussole, on ne propose pas encore ça. En revanche, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'adresse contact que j'ai mise dans le PowerPoint à la toute fin, soit l'adresse de Violaine, et ensuite on répondra voilà, au cas par cas aux demandes. Si vous avez un titre en particulier, on peut se débrouiller pour vous envoyer le texte. Voilà.
n'hésitez pas à faire des demandes et puis on va réfléchir évidemment à la manière de rendre ça un peu plus industriel. Après, si déjà plus de la moitié, comme tu disais, du coup, des œuvres sont en version numérique, je pense que ça peut déjà, c'est le genre de version qui peuvent aussi déjà un peu plus aider. Oui, alors je sais que souvent, plus que souvent adaptable, mais. Souvent dans les adaptations, je pense qu'il y a la question de la typo, la police utilisée dans le texte. C'est vrai qu'en boussole, on est sur une police assez littéraire avec ce qu'on appelle des empattements, ce qui n'est pas forcément voilà, la typo, qui est même d'ailleurs une typo assez compliquée pour les élèves dyslexiques qui préfèrent des typos bâtons, voire la typo open dyslexique. Voilà, donc, si c'est pour adapter la typo, je pense que c'est mieux d'avoir le tapuscrit, effectivement. La collection est très riche pour le cycle 3, avez-vous prévu d'enrichir celle destinée au cycle 2 ? Oui, enfin, on est toujours en train de l'enrichir. Dans les petites nouveautés de cette année qui peuvent intéresser, j'ai vu qu'il y avait des enseignants en CP, on propose deux petits albums très courts qui ont été vraiment écrits et pensés pour être déchiffrables à 100% quasiment. Dès janvier. Dès janvier-février, voilà, dès la période 3, période 2. Qui ont été écrits par Agnès de Lestrade, qui est une auteure jeunesse qui a vraiment voilà, l'art d'écrire des histoires très chouettes. Donc, on est vraiment sur des petits textes littéraires. Donc, c'est pas juste du texte déchiffrable pour qu'il soit déchiffrable. Enfin, il y a vraiment un intérêt littéraire. Et puis, voilà, c'est des textes qui sont construits sur le mode un peu de la comptine, enfin, en tout cas avec une forme répétitive qui facilite aussi l'entrée dans la lecture. Donc, voilà, c'est deux petits romans, deux petits albums plutôt qui s'appellent Mémé et Vive Crocodile. Voilà, qui sont vraiment très chouettes. Donc ça, c'est les nouveautés en cycle 2. Donc on réfléchit voilà, à des enrichissements pour le cycle 2. N'hésitez pas, hein, si vous avez des propositions, des idées d'œuvres, on est toujours preneurs et intéressés voilà, pour effectivement enrichir les titres à destination de cette tranche d'âge. Et les guides spéciaux CP, ils ont été conçus donc par des enseignants de CP. Donc moi j'en suis une et j'ai trouvé une autre collègue pour faire le second. Et donc pareil, des enseignants de terrain. Et on vous propose dans ce guide PEDA en fait deux niveaux quoi, de différenciation. Donc vous pouvez, comme dans une vraie classe de CP, hein, où en général en gentil, on a déjà une partie des élèves qui lisent et l'autre non. Donc voilà, vous avez la fiche de prep différenciée et les supports de travail différenciés aussi, voilà, avec ces deux niveaux pour mai et Vive Proco. Super. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il restait des questions. En tout cas, merci pour votre présence, votre intérêt, votre interaction avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis que la collection vous plaise. Et donc, oui, comme Lorraine et Isabelle n'ont pas cessé de le dire et je pense de le montrer quand même, la collection ne cesse de s'agrandir et on sera toujours à l'écoute de propositions pour ajouter de nouveaux titres à la collection sur les différents niveaux. Donc voilà, ouais. Merci Lorraine qui a rajouté. Je viens de mettre l'adresse de contact. Elle est gérée par moi, donc les mails arriveront chez moi. Voilà, si vous voulez contacter Lorraine directement. C'est une adresse générique, mais c'est moi derrière. Bon, et merci pour vos retours, ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour les messages qu'on voit dans le chat. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous envoie le replay. Et oui, bien sûr aussi, quand même, malgré toute la situation, quand même, passez de bonnes vacances. Profitez-en quand même, comme vous pouvez. Oui. Au revoir. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt.